on vient parler de nos coups de cœur ici au Yacht and Beach Club Resort, au Walt Disney World Resort en Floride. Quel est ton coup de cœur ici? C'est la piscine. En fait, tu dis piscine, mais il y a une piscine avec une plage, avec du sable. Il y a une piscine pour se baigner avec un filet de volleyball. Il y a également un lazy river pour se promener en tube. Donc, il y a vraiment plusieurs espaces. Et il y a la piscine. Et oui, en été glissado, toi et moi? Moi, c'est l'accessibilité au parc. Donc, dans le fond, c'est juste 5 minutes de marche pour aller à l'Epcot et 5 minutes de bateau pour aller à Hollywood Studios. En effet, on est près de ces deux parcs-là. Puis sinon, on prend l'autobus pour se rendre à Magic Kingdom, Animal Kingdom ou encore à Disney Springs. Donc, c'est vraiment l'accessibilité, vraiment, c'est un point très fort. Et puis également, sur place, il y a plusieurs restaurants, il y a une petite cantine extérieure, il y a un marketplace où on peut retrouver plein de nourriture. Donc, si vous voulez faire vos céréales le matin dans votre chambre, c'est possible parce qu'il y a un frigo aussi dans vos chambres. On peut acheter du lait, des céréales, on peut se faire des sandwichs. Il y a un petit bistrot également, là, tu sais, potage, sandwich. Et puis nous, on s'est acheté un verre qu'on peut remplir. Donc, le verre, je crois qu'il coûtait à peu près 16,50 $, mais on peut tout au long du séjour à l'hôtel le remplir le nombre de fois qu'on veut par journée. Donc, vraiment très pratique. Donc, voilà pour nos coups de cœur ici à l'hôtel. Normalement, on donne combien sur 5? 4,5. 5. Donc, vraiment, là, un très, très bel hôtel ici au Walt Disney World Resort, le Yacht and Beach Club.